Bonjour du jour, aujourd'hui exercice très spécifique où il va tout simplement falloir renforcer, étirer et renforcer la zone pelvienne. La zone pelvienne, c'est celle qui se retrouve au bas du sacrum, donc ça permet en fait de soulager notamment le dos en renforçant et en étirant cette zone-là. Bienvenue à un jour, une minute, un exercice. Alors, pour cet exercice très spécifique de la zone pelvienne, c'est-à-dire qu'on va chercher à la renforcer et en même temps à l'étirer, vous vous allongez sur le dos, par exemple, vous pliez les genoux. Le but du jeu, en fait, ça va être de resserrer les jambes et d'appuyer à fond. Donc, première phase, vous collez les genoux et les chevilles, vous serrez, vous desserrez, vous serrez, vous desserrez. Vous sentez l'intérieur des cuisses, les adducteurs se contracter, se relâcher, mais pas seulement, justement au niveau de la zone pelvienne, les petits muscles qui sont dans cette zone-là se renforcent à fond. Du coup, ils permettent vraiment le soulagement de la zone du bas du dos. Pour amplifier cet effet-là, vous pouvez mettre votre main entre les genoux, comme cela, et faire la même chose. On serre, on tient un peu, on relâche. On serre, on tient un peu, on relâche. Voilà, répétez ça souvent, très souvent, et vous éviterez plein de problèmes de lumbago et de choses comme ça, notamment. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Voilà, vous venez donc de faire un exercice qui est très simple, mais par contre qui a une fonction importante quant à la stabilité et à l'équilibre surtout du corps. Donc, renforcez votre ceinture pelvienne et vous serez mieux au niveau du dos, au niveau du corps en entier. Demain, nous ferons un exercice pour les jambes. Bonne journée, à demain !